Oui, bonjour, je vous présente le parc Vallée des Loups. C'est juste pas loin de chez moi. Et à la rentrée, je rentre sur la gauche, sur le chemin côté. Bah, c'est un peu loin de chez moi, mais justement, je viens pratiquement chaque dimanche pour faire un petit reportage sur le parc Vallée des Loups. Là, il y a un petit flaque d'eau, justement. C'est un petit. Je sais pas s'il y a des choses là-dedans. Je vois rien. Mais je vois des bulles. C'est-à-dire qu'il y a, il doit y avoir quelque chose à l'intérieur, de petits ruisseaux. Regardez, si je montre. Là, vous allez voir. Hop. J'aperçois, je sais pas si vous voyez, justement de temps en temps, c'est un petit tourbillon, c'est comme s'il y a quelque chose qui vit à l'intérieur de ces petits ruisseaux. Là, je passe et je vous montre exactement c'est resté. Là, ça a été tendu. Et là-bas plus loin, c'est resté tel. Là, je vais aller. Avec le soleil, je vois pas grand-chose. On a l'impression c'est bien fait. Regardez. Là. C'est le soleil qui tape juste en face. C'est comme s'il y a une petite maison, un petit chalet avec un petit trou là-dedans. C'est comme un passage, si il voulait dire passer une pièce dedans. Et ça, je dis à tout le monde, c'est que vient sur YouTube et souvent on fait découvrir des choses sur la nature. Les gens, ça veut dire pas de like, pas d'abonnés. Et franchement, c'est décevant. Par contre, si on vous montre une connerie, un animal, ou on vous montre une femme nue, là, vous allez tous, surtout les hommes, vous allez tous dedans, comme des loups. Les hommes, je vous dis, de toute façon, vous êtes comme des loups. Dès que vous voyez une femme nue ou une femme en train de danser, vous êtes tous dedans, piégés comme des loups. Je vous le dis parce que c'est énervant. Là, vous voyez là-bas. J'aperçois. Hop. Je ne vois pas parce que je peux pas passer parce que c'est un peu boisé et vous avez on peut pas accéder là-dedans. Là, c'est entre les arbres. Franchement, il fait frais. Alors qu'il fait 30, 35. Et là, c'est franchement, c'est agréable de passer entre les arbres. Excusez-moi, vu que je parle avec mon nez parce que j'ai attrapé un coup de froid. C'est toujours ma faute parce que je suis parti au marché. J'avais un survêt, je l'ai enlevé. Ben bien sûr, le haut du serviette, pas le bas. J'ai enlevé le serviette, mon blouson, on va dire. Et comme j'avais chaud, j'ai attrapé un coup de froid, mais c'est pas grave.
Là, vous avez toutes les plantes, toutes les espèces de plantes. Regardez. Pareil, je vous montre. Avec les petites fleurs. Voyez l'ombre. Là, je marche. Et mon deuxième personnage, il marche devant moi. Franchement, c'est superbe. Je pensais que j'allais trouver du monde. Il est 19h exactement. Il n'y a pratiquement personne. Tous les gens, ils sont de l'autre côté. Moi, je passe ce côté. Il y a grand monde. J'entends les enfants jouer. Regardez, tout. Là, les arbres. Là, vous avez les bouleaux, vous avez les sapins, le pin, le merisier. Vous avez toutes espèces d'arbres qui sont restés. Franchement, Vallée des Loups, parc Vallée des Loups, c'est connu par tout le monde. Hier, j'ai discuté avec une personne, et pourtant elle habite loin. Elle m'a dit, parc Vallée des Loups, je connais très bien. Je vais doucement, sinon je vais faire mal aux yeux. Non, je vais pas filmer parce qu'il y a des gens là-bas. Je vais arrêter de filmer parce que comme il y a du monde, je vais pas filmer. Là, vous avez des rosiers. Il reste pas grand-chose des roses. Là, je vous offre cette rose pour vous dire, vous avez la possibilité de like et abonnez-vous, s'il vous plaît. Ceux qui ont déjà, vu mes vidéos et ainsi abonné, passez le relais à d'autres personnes qui n'ont pas vu ma chaîne, s'il vous plaît. Dites-leur de faire like et abonner. Merci. Là, oui, une petite rose. C'est pareil. Pareil. Reculer l'image. Avancer l'image. C'est les pies qui sont là-bas. Ça, c'est les corbeaux.
Je ne bouge pas, il va s'approcher. Regarde comment il marche de travers. Là, on peut s'asseoir si on veut. Là, c'est la table, elle est posée sur un tronc d'arbre. Si vous voyez très bien. Là, regardez, c'est bien fait. Là, ça fait 3 et 5. Ça pose sur 5 doigts. Un tronc d'arbre, c'est la souche de l'arbre qui soutient le plateau de la table. Et là, c'est pareil, c'est une souche que tu récupères, coupée et fait tabouret pour s'asseoir. Là, si on veut se rafraîchir, là, exactement, il y a de l'eau là-dedans. Des corbeaux. Je ne bouge pas, je vais s'approcher. Il y a un corbeau et à côté il y a un pigeon. C'est bizarre, ici ils s'entendent à merveille. Je vais m'approcher tout doucement. Voilà, s'approche. Je vais voir si j'ai un peu quelque chose. C'est des pies. Par contre, eux, ils ne se laissent pas s'approcher. Regarde comment ils se sauvent. Un pigeon, vous pouvez vous approcher, mais les pies, c'est comme les corbeaux. Ils ne vous laissent pas vous approcher. Majestueux. Oh, comme il est large.
Exactement. Exactement.